Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la conférence Make Sense intitulée Repenser l'économie à travers l'écoféminisme. Make Sense est une organisation étudiante de la faculté Solvay de l'Université libre de Bruxelles, ayant pour but de sensibiliser les étudiantes et les étudiants à des sujets liés au modèle économique durable. Aujourd'hui, pour nous expliquer ce qu'est l'écoféminisme ainsi que les liens politiques et économiques entre écologie et féminisme, nous avons le plaisir de recevoir Jeanne Burgard-Goutal, philosophe et auteur du livre Être écoféministe, théorie et pratique. Juste une petite précision, dû à un petit souci technique, il manque le tout début de l'intervention de Jeanne Burgard-Goutal. La suite de la conférence est sous forme de questions-réponses et les questions seront posées par Nouchine et Alessia. Bonne écoute. Les années 70, c'est l'époque où on commence à avoir les premières prises de conscience environnementales et de découvrir que le modèle capitaliste, le modèle de développement technique, de croissance économique, de progrès dont on a attendu des miracles, ben en fait, il a une contrepartie environnementale désastreuse. Donc ça, c'est la première désillusion. Et la deuxième désillusion, c'est de se rendre compte que on a cru que le progrès, la modernisation émanciperait les femmes grâce à l'électroménager ou grâce à leur accès au marché du travail salarié. Et là aussi, dans les années 70, on s'aperçoit que c'est pas le cas, que c'était un leurre et que en réalité, les femmes, par exemple, certes peuvent avoir un travail salarié, mais du coup se farcissent la double journée puisqu'elles continuent à assumer les tâches domestiques, les tâches d'éducation, etc. Donc, l'écoféminisme, il est né à la convergence de ces désillusions-là et en réalité, il a articulé encore plus de critiques de notre modèle, puisque ça articule aussi une critique des rapports de domination de classe, de race, des pays du Nord sur les pays du Sud. Donc c'est une espèce de critique globale de notre système, avec, comme le nom l'indique, un axe qui met plus particulièrement en avant dans la critique l'écologie et le féminisme. Alors, un autre point important pour comprendre ce qu'est l'écoféminisme, c'est que ce n'est pas simplement une juxtaposition entre de l'écologie et du féminisme, mais ça se situe vraiment à l'articulation, à l'interconnexion entre les enjeux écologistes et les enjeux féministes. Et toute une dimension de la pensée écoféministe, c'est d'essayer justement d'analyser, d'essayer de comprendre quels sont les liens entre l'oppression des femmes et l'oppression de la nature, ou entre la domination des femmes et la domination de la nature dans notre modèle social, économique, etc. Donc ça, c'est en termes de pensée, analyser ces liens. Et en termes d'action, l'idée, c'est que au cours de toute l'histoire du mouvement écoféministe, donc que ça soit des luttes autour d'enjeux antinucléaires, autour d'enjeux de pollution, autour d'enjeux de déforestation, de désertification, d'accès aux ressources, voilà, quels que soient les enjeux. Le mouvement écoféministe, il a toujours cherché à articuler les enjeux écologistes et les enjeux féministes, à ne jamais mener des mobilisations ou des combats qui seraient féministes en oubliant tout versant écolo, et ne jamais non plus mener des combats qui seraient écologistes en oubliant le versant féministe et plus largement de justice sociale. Ok, donc à vous entendre en fait parler, on comprend bien quand même que le mouvement écoféministe est assez complexe. Et donc, quels sont vraiment les buts des écoféministes? Alors, c'est assez difficile de résumer sans réduire parce que, en fait, l'écoféminisme, il se caractérise par sa diversité. Et là, je vais forcément être obligée de simplifier, de réduire et de dire des choses qui, peut-être, mettront pas tout le monde au sein de la nébuleuse écoféministe d'accord. Donc, il y a plusieurs manières de se représenter les buts écoféministes. Après, il me semble que on peut résumer sans trahir la diversité du mouvement en utilisant une image qu'on trouve chez Starhawk, donc qui est une sorcière écoféministe néo-païenne californienne, qui représente un peu graphiquement le grand but de l'écoféminisme, en disant, en fait, nos sociétés, nos économies, nos institutions sont structurées de façon pyramidale. Donc, il y a des hiérarchies, il y a de la concurrence pour accéder au sommet, il y a voilà, des organigrammes avec des chefs et des subordonnés, il y a des inégalités avec beaucoup de monde à la base et puis quelques personnes au sommet qui dominent. Donc, ça, c'est la structure de notre réalité,
la pyramide. Et le but de l'écoféminisme, tel qu'elle le décrit, c'est de passer de la pyramide au cercle ou à la sphère. C'est-à-dire de défaire les dominations, de défaire les hiérarchies, en fait, de restructurer complètement notre monde. Donc, ça veut dire que l'écoféministe, c'est une pensée, un mouvement qui est foncièrement révolutionnaire. L'idée, par exemple, c'est pas simplement que quelques femmes réussissent à accéder au haut de la pyramide. L'idée, c'est qu'il n'y ait plus de pyramide. De la même façon, l'idée, voilà, c'est pas l'idée d'un rattrapage de ceux qui seraient en bas de la pyramide, mais c'est l'idée d'une abolition de cette structure elle-même. Foncièrement, la pensée écoféministe, enfin, les buts de l'écoféministe, ils se situent dans une mouvance anarchiste au sens noble du terme. Donc, des fois, on croit que anarchie, ça veut dire c'est le bordel, c'est le chaos, tout le monde fait ce qu'il veut. Mais anarché, en grec, arché, c'est le pouvoir. Donc, l'anarchie, ce n'est pas l'absence de loi, l'absence d'ordre, c'est l'absence de rapport de pouvoir, l'absence de rapport de domination. Donc, c'est ça le but ultime de l'écoféministe, c'est d'abolir ce que Starhawk encore appelle les rapports de pouvoir sûr, donc c'est-à-dire les rapports hiérarchiques, les rapports de domination, les rapports dans lesquels il y a certains qui commandent et d'autres qui obéissent, ou certains qui dominent et d'autres qui sont subordonnés. Dans mon livre, à un moment, j'essaye d'imaginer quelle pourrait être la devise de l'écoféminisme en la calquant sur la devise française. Donc la devise française, c'est « liberté, égalité, fraternité ». Et sur ce modèle-là, on pourrait dire la devise écoféministe, ça serait quelque chose du genre diversité, justice, communauté. Donc avec l'idée que le fait qu'il y ait plein de différences dans le monde, qu'il y ait des différences entre les hommes et les femmes, entre des différences culturelles, des différences naturelles, des différences sexuelles, des différences d'aptitudes intellectuelles, manuelles, etc. Tout ça, c'est une richesse. Sauf que ça donne lieu à des hiérarchies. Et donc, tout l'enjeu, c'est de savoir comment on fait pour que toute cette diversité humaine, naturelle, sociale, culturelle qui existe, elle ne devienne pas des inégalités, elle ne devienne pas des rapports de domination et des hiérarchies, mais qu'elle s'organise de façon juste, donc avec cette image du cercle. Okay. Alors juste, vous avez déjà un peu répondu à cette question, mais donc, au final, c'est quoi vraiment la différence entre une féministe qui est écolo et une écoféministe réellement ? Donc, effectivement, si on veut vraiment cerner l'idée d'écoféminisme, on pourrait dire que, par exemple, si je suis d'un côté féministe et d'un autre côté écolo, mais que pour moi, je ne vois pas du tout de lien entre les deux, qu'il n'y a aucune conscience... ou en tout cas aucune conviction autour du fait que de la compréhension des mécanismes qui vont relier le capitalisme et le patriarcat ou la dévalorisation des femmes et du féminin et la dévalorisation de ce qui est naturel et de ce qui est animal. À ce moment-là, en fait, du coup, c'est deux combats qui restent séparés et ça ne fait pas de moi une écoféministe. Donc, pour qu'il y ait écoféminisme, il faut vraiment toujours qu'il y ait cette pensée de l'articulation. Ça signifie, par exemple, que, comme je l'ai évoqué dans l'écoféminisme, ça va exclure un engagement féministe qui pourrait avoir un impact environnemental négatif. Par exemple, si je me dis... C'est ce qu'on a vu beaucoup dans l'histoire du féminisme. Par exemple, certaines femmes ont pu... échapper à la corvée de faire de la couture, mais comment ? En refourguant le travail de confection des vêtements à des ouvrières du textile à l'autre bout du monde, donc au prix d'une énorme exploitation sociale et d'une énorme dégradation environnementale, puisque l'industrie de la mode, en termes environnementaux, c'est la catastrophe. Donc là, par exemple, ça ferait que il y aurait un côté féministe dans cette émancipation à l'égard d'un rôle traditionnel des femmes, mais environnementalement nocif. Donc, ça ne serait pas de l'écoféminisme. De la même façon, si mon engagement écolo, aujourd'hui, par exemple, on parle beaucoup de la charge mentale écologique, donc le fait que dans les foyers qui cherchent à passer en zéro déchet, par exemple, ou à avoir des pratiques de consommation plus durables, c'est souvent les femmes qui vont
se charger de changer la manière de faire les courses, organiser tout le passage au zéro déchet ou la gestion du nouveau mode de consommation. Là aussi, ça serait une forme d'écologie, mais séparée du féminisme, voire antagoniste au féminisme. Et donc, ça ne serait pas de l'écoféminisme. Donc, pour qu'il y ait écoféminisme, il faut vraiment se situer à l'interconnexion des deux. Ce qui exclut un certain nombre de manières d'être féministe et un certain nombre de manières d'être écolo quand elles entrent en conflit, en fait. Ok, merci. On parle en fait souvent aussi de l'éthique du care dans l'écoféminisme, mais qu'est-ce que c'est vraiment réellement? Vous savez nous en expliquer un peu plus? Oui, donc l'éthique du care, c'est un concept qui vient de philosophes américaines. Alors à la base, ça vient pas de l'écoféminisme en particulier. Donc ces philosophes, elles s'appellent Joan Tronto et Carol Gilligan. Elles ont écrit pas mal de livres là-dessus. Donc à l'origine, c'est parti d'une étude, donc elles n'ont pas faite elles-mêmes en fait, qui est une étude qui avait été faite par des sociologues sur des réactions de petites filles et de petits garçons, et puis d'hommes et de femmes à certaines situations. Et cette étude qui avait été menée par des hommes, par des sociologues hommes, montrait que les garçons et les hommes avaient tendance à réagir aux situations en termes de morale universelle, de grands principes, est-ce que c'est juste, est-ce que ça correspond à la loi, etc. Et que les filles et les femmes avaient tendance à réagir aux mêmes situations d'une façon plus affective, en se demandant... en partant d'une morale de l'empathie, en partant d'une morale mettant en jeu l'idée de prendre soin. Et donc, ces auteurs, donc ces sociologues hommes, en avaient conclu une sorte d'infériorité des femmes en disant les petites filles et les femmes, elles ne sont pas vraiment capables d'avoir des conceptions morales universelles, de se situer au niveau des principes et de la rationalité. Elles réagissent émotionnellement. Et donc, Carol Gilligan et Joan Tronto, quand elles théorisent l'éthique du care, c'est justement pour critiquer cette idée en disant peut-être c'est vrai que les femmes et les hommes, et peut-être même dès l'enfance, les petits garçons et les petites filles, vont pas mettre en œuvre la même morale. Et peut-être que moralement, les hommes vont faire appel à des principes plus rationnels et les femmes des principes plus affectifs. Peut-être c'est vrai, peut-être ces données sont vérifiées. Il y a des constructions de genre du féminin et du masculin qui sont différentes, mais elle refuse la conclusion de ses auteurs en disant mais ça montre pas du tout que les femmes seraient inférieures et incapables de rationalité et incapables d'un accès à l'universel. Ça montre que il y a différentes manières, là encore on est sur cette idée de diversité, il y a différentes manières d'aborder l'éthique et la manière féminine est liée davantage à cette idée de prendre soin, donc to care, prendre soin, s'occuper de, prendre en charge, que à des idées de rationalité. Et donc dans l'éthique du care, l'idée c'est justement de retourner cette capacité souvent féminine qui a été décrite comme un défaut, de la retourner en atout et de la mettre au cœur d'un projet politique. En disant peut-être que plutôt que de dévaloriser la capacité à s'impliquer émotionnellement et à vouloir prendre soin des autres, il faut la revaloriser et la mettre au cœur d'un projet politique. Voir comment on peut organiser une société, comment on peut mettre en œuvre des mesures, des lois, etc., qui vont tourner autour de cet impératif de prendre soin les uns des autres et, dans une optique écoféministe aussi, de prendre soin de la planète. Donc, pas en faire juste un truc de meuf un peu sensible, mais au contraire, voir comment ça peut être un réel projet social, moral et politique. Cette idée donc de prendre soin des autres et de la planète. Ok, et donc selon vous, est-ce que l'écoféminisme pourrait nous permettre de repenser, on va dire, l'économie, le monde du travail à travers justement cette éthique du care? Alors, en tout cas, ce que ça pourrait signifier, donc, de comment appliquer l'éthique du care à l'économie et au travail. Donc, déjà, le premier point, si on se situe non plus dans cette sphère un peu morale privée, mais la sphère de l'économie du travail, le premier point, ça serait que
appliquer l'éthique du care au monde du travail, ça voudrait dire déjà prendre conscience de l'importance de ce qu'on appelle le travail du care. Donc, le travail du care, c'est tout le secteur ou l'ensemble de secteurs très peu rémunérés, très peu valorisés, très, très, très largement féminins, qui consistent donc dans des métiers d'infirmière, d'aide-soignante, tous les métiers d'aide à la personne, de puéricultrice. Donc, tous ces métiers, en fait, qui consistent à prendre soin des autres, de leur santé, de leur corps, de leurs émotions, de leur bien-être, de leur maison, de leurs enfants. Donc, ça implique aussi tous les trucs de nounou, femme de ménage ou de leur lieu de travail. Et en fait, on voit que tous ces métiers, ces travaux qui consistent donc à prendre soin des autres, de leur maison, de leurs enfants, de leur santé, de leur corps, de leur lieu de travail, de leurs vieux parents, etc., sont archi mal payés et archi dévalorisés, et qui sont à peu près, ça dépend des secteurs, mais en gros ils sont à 90% occupés par des femmes, et occupés par des femmes de classe sociale défavorisée, souvent immigrées, très souvent sans papier. Donc déjà la première chose, ça serait de ne pas se voiler la face sur l'importance de ce travail de care sans lequel la société ne pourrait pas fonctionner. Et là actuellement, enfin au moment du confinement de mars dernier, on s'en est bien rendu compte, en fait, que ce travail qu'on a tendance à considérer comme voilà, un travail un peu personne rêve que ses enfants deviennent femmes de ménage. On a tendance à déconsidérer ça, et pourtant on voit bien que c'est un travail essentiel. Donc il y aurait déjà l'idée de comment on revalorise ce travail, pas seulement en disant « Ah, c'est beau, on va taper sur des casseroles pour applaudir les gens », mais financièrement, concrètement, comment on rémunère ce travail et qu'on le rend visible comme étant la base de notre système. En plus de ce travail de care sous-payé, il y a aussi tout le travail de care pas du tout payé, qui est le travail domestique effectué à 80% encore aujourd'hui par les femmes. Donc là aussi, tout ce travail du care, c'est le fondement caché de notre économie. S'il n'y avait pas des femmes, des mamans qui s'occupaient des enfants, du ménage, du linge, des courses, de la nourriture, des devoirs, de faire les vaccins aux enfants, etc., là aussi, la société ne fonctionnerait pas. Donc, il y a déjà cette première prise de conscience. Au lieu de toujours regarder vers le haut, les postes à responsabilité, première prise de conscience que peut-être le travail le plus important économiquement et socialement, c'est justement ce travail de care. Et donc, en tenir compte dans notre vision de ce que c'est l'économie, comment marche un pays, sur quoi tient le monde, sur quoi tient la société. Et concrètement, il tient voilà, sur du travail sous-payé ou non payé de plein de femmes. Le deuxième aspect de cette idée d'appliquer l'éthique du care à l'économie et au travail, ça serait, si on prend au sein d'une entreprise, qu'est-ce que ça serait une entreprise qui fonctionnerait sur un modèle plus lié à l'éthique du care, ben, ça serait une entreprise qui serait beaucoup moins hiérarchisée que les entreprises actuelles. Si on dit que le care, c'est prendre soin de ses collaborateurs, au sein du travail, par exemple, prendre soin de ses collaborateurs, ça ne veut pas dire être en concurrence avec eux, essayer de les écrabouiller pour avoir une promotion qu'ils ne vont pas avoir, ou ça ne veut pas dire manager ses équipes par le stress, la course au profit, la course à la performance, etc. Donc ça serait le deuxième aspect, appliquer l'éthique du care dans le monde du travail, ça serait justement voir comment on peut organiser une équipe ou manager ou se rapporter à ses collaborateurs sur un mode qui ne soit pas fondé sur la concurrence, la compétition, la performance, le stress, la rentabilité, la hiérarchie, mais en prenant davantage soin de rapports qui soient donc moins hiérarchisés, moins concurrentiels, plus collaboratifs, plus coopératifs. La difficulté, c'est que ce n'est pas exactement ce qu'on apprend à l'école. Enfin, je ne sais pas comment ça se passe en Belgique, mais en France, les élèves, ils sont notés sur du travail individuel. Donc, dès le CP, leur entrée à l'école, on leur apprend à être en compétition. Bah, typiquement, ça, ce n'est pas des rapports de prendre soin les uns des autres. Donc, voilà une deuxième piste. Okay. Et donc, pensez-vous qu'on puisse faire en fait des lectures
écoféminisme de la crise actuelle. Donc, et si oui, quelles seront ces lectures? Oui, donc en fait, effectivement, l'écoféminisme en tant que... Alors attendez, j'ai le soleil, je ne sais pas si on voit encore. En tant que grille de lecture, l'écoféminisme, c'est effectivement une grille de lecture où dans mon livre, j'utilise l'image des lunettes écoféministes qui permettent de voir des choses dans la réalité qu'on ne voit pas autrement. Donc cette grille de lecture écoféministe, quel que soit l'objet auquel on l'applique, elle va consister toujours à essayer de voir ou de mettre en évidence, de rendre visible des choses qui sont souvent invisibles ou invisibilisées. Donc en se demandant toujours dans une situation, qu'est-ce que ça fait si j'analyse cette situation en me demandant ce que ça produit pour les femmes? Qu'est-ce que ça fait si je me demande qu'est-ce que ça produit pour l'environnement ou ce que ça dit du rapport entre les humains et l'environnement? Et qu'est-ce que ça fait si j'analyse ça aussi en termes de justice sociale et de justice nord-sud. Donc en l'occurrence, le premier point, ça serait de mettre en évidence le fait que cette crise sanitaire est une crise écologique ou est une dimension de la crise écologique, que à la fois dans les origines de ce virus, ou dans tout cas ce qui a permis sa transmission à l'humain, et ce qui a permis sa circulation aussi rapide à l'échelle du monde entier, donc de façon pandémique, c'est complètement lié à une rupture de notre rapport à la nature, ou en tout cas une problématique très nette dans le rapport des sociétés humaines à l'environnement naturel, puisque voilà, parmi bon, à part les conspirationnistes qui pensent que c'est sorti d'un laboratoire, etc., mais parmi les hypothèses qui paraissent quand même mieux fondées sur la façon dont ce virus s'est transmis, beaucoup de personnes analysent le fait que c'est lié à la déforestation de milieux naturels, à des fins d'exploitation économique de ces milieux, donc que ça met en contact des espèces sauvages avec l'espèce humaine d'une façon qui ne devrait pas avoir lieu, et que cette cohabitation, cet empiètement des humains sur la forêt, sur les autres espèces qui du coup n'ont plus de lieu d'habitation, ça fait partie des causes de l'expansion de l'épidémie. Et de la même façon, voilà, toutes les circulations d'avions, etc., toutes les circulations de marchandises qui ont un impact environnemental nocif expliquent aussi la circulation aussi rapide du virus. Donc ça montre, la lecture écoféministe montrerait que ce virus est en fait une crise de notre modèle productif et de notre modèle économique, et peut-être plus largement même de notre modèle de civilisation. D'autre part, si on reste dans cette question de comment on l'analyse dans un rapport à l'environnement, ça permet aussi de décrypter une sorte d'aveuglement de beaucoup de discours sur cette crise. C'est-à-dire qu'on voit que dans les analyses médiatiques et politiques les plus répandues, ce qui est mis en avant, c'est toujours la question de... toujours des questions économiques en fait, chômage, productivité, comment on va maintenir l'emploi, télétravailler ou pas, etc. Et on voit que c'est vraiment voir les choses par le petit bout de la lorgnette, et que dans une approche écoféministe, il y aurait l'idée un peu d'élargir la focale et de se dire comment on peut comprendre ce phénomène plus largement, c'est-à-dire comme un rapport entre l'espèce humaine et d'autres espèces, notamment voilà, des virus, des bactéries, puisque certainement, c'est pas avec le dégel du permafrost, ce n'est pas le dernier virus qu'on va se prendre. Donc, on peut se dire, en fait, ça demande de prendre du recul et d'analyser cette situation de façon moins anthropocentrique, moins obsédée par qu'est-ce que ça fait, comment on va se défendre contre ce virus, mais de façon plus écocentrique, en voyant dans l'écosystème à quoi ça correspond, à quel rapport entre les espèces ça correspond. Comprendre donc qu'on est une espèce parmi d'autres dans cette histoire. Et enfin, le dernier point, ça serait d'analyser cette crise à partir d'un angle de genre, en mettant en évidence ce qui se passe pour les femmes dans cette situation. Donc, pendant le premier confinement, comme je l'ai évoqué, ben, on a pu s'apercevoir que une grosse proportion, j'ai pas le pourcentage exact, mais une grosse proportion de personnes qui étaient aux premières lignes, donc qui continuaient à travailler, à être exposées au virus qu'on croyait très dangereux
à ce moment-là. C'était donc les caissières des supermarchés, les infirmières, les aides-soignantes dans les maisons de retraite, etc. Donc, c'était voilà, très massivement féminin. Et on a vu qu'en même temps, avec les confinements, il y a eu une recrudescence, il y a une sorte de dégradation de la condition féminine, à la fois avec une recrudescence des violences conjugales, qui, voilà, dans l'enfermement domestique, ont manifestement explosé, et puis d'une façon, sans aller jusqu'à ces violences-là, il y a beaucoup de témoignages qui montrent que du point de vue de la répartition des tâches domestiques et de l'école à la maison, là aussi ça a été super inégalitaire. Et que en fait, même chez des couples qui se croyaient progressistes, évolués, conscients de ces problématiques-là, très souvent, et là aussi voilà, il y a beaucoup de témoignages là-dessus, ben concrètement, il y a des hommes, par exemple, qui ont pu s'enfermer dans leur chambre pour télétravailler bien tranquille ou profiter du confinement pour se cultiver, s'intéresser à plein de sujets, etc. Pendant que les femmes, alors c'est surtout dans les couples où il y a des enfants, pendant que les femmes avaient un bout de cuisine pour télétravailler en même temps qu'il fallait gérer les devoirs du petit et le grand qui tirait les cheveux de la moyenne, etc. Et donc ça aussi, ça a vraiment révélé que dès qu'il y a crise, des mécanismes de domination et d'inégalité se remettent en marche d'une façon très, très manifeste, qu'il y a des effets différentiels qui montrent bien que la crise passe sur une structure qui est déjà inégalitaire et qu'en fait, ça aggrave ce caractère inégalitaire si on n'est pas très vigilant. Et en fait, même en étant très vigilant, on voit que c'est difficile d'échapper à cette structure patriarcale et capitaliste du système et qu'en crise, ça se révèle particulièrement. Ok. Alors, maintenant, on s'était posé une autre question. C'est plus par rapport au réchauffement climatique et les disparités entre les genres. En fait, ce qu'on voulait savoir, c'était si la crise climatique touchait les hommes et les femmes de la même manière. Et si pas, en fait, est-ce qu'au final, c'est pas également une crise de genre? Et donc, quel regard est-ce que l'écoféminisme porte sur ce problème-là, au final? Bah, ce que mettent en évidence beaucoup d'études écoféministes, c'est qu'effectivement, ça ne touche pas de la même façon les hommes et les femmes. Alors, ce qui intéresse l'écoféminisme, c'est pas seulement les inégalités entre hommes et femmes. Comme je l'ai dit, c'est aussi les inégalités entre riches et pauvres, entre les pays du Nord et les pays du Sud. Et donc, ce qu'elle pointe, c'est qu'il y a des injustices environnementales et que si vous êtes, si vous êtes riche ou pauvre, si vous êtes dans un pays dit du Nord ou dans un pays dit du Sud, et si vous êtes un homme ou une femme, il y a plein de déterminants qui vont faire que des fois on a l'impression que la crise écologique c'est une sorte de tout, et que, parce que c'est vrai, la planète se réchauffe en entier, etc. Mais simplement, c'est un peu illusoire en fait. Même si en un sens on est tous dans le même bateau et c'est une crise globale, en réalité, à la fois les impacts sont très différenciés et les responsabilités aussi dans les causes de ce réchauffement sont très différenciées. Si vous êtes un milliardaire américain et si vous êtes une femme éthiopienne pauvre, par exemple, bon, je caricature, hein, désolé pour ces clichés, mais votre responsabilité dans ce qui provoque le réchauffement climatique est sans commune mesure. Et votre possibilité d'échapper aux effets du réchauffement climatique est aussi sans commune mesure. Donc, il y a vraiment une sorte de double injustice. Donc, il y a beaucoup d'études, effectivement, qui vont montrer cet impact différencié du réchauffement climatique, mais plus largement donc des dégradations environnementales entre les sexes. Pour les catastrophes climatiques, alors, il y a un chiffre, bon, qui, moi, m'étonne à chaque fois, et je n'ai pas trouvé exactement comment il était calculé, qui montre qu'il y aurait 14 fois plus de risques de décès pour les femmes que pour les hommes en cas de catastrophe naturelle. Alors, ça me paraît excessif, mais en tout cas, on voit que ça soit face aux catastrophes naturelles, que ça soit face aux différents effets du réchauffement climatique, généralement, du fait qu'il y a une sorte de superposition entre féminité et pauvreté à l'échelle globale, il y a moins de possibilités pour les femmes d'y échapper
elles sont plus vulnérables face aux dégradations de l'environnement. Donc ça, ça s'explique. Bon, pour expliquer ça, les écoféministes, souvent, elles vont utiliser le concept de capitalisme patriarcal, ou même de patriarcapitalisme en un mot. Leur analyse, c'est de dire, en fait, notre monde, il fonctionne d'une façon patriarcapitaliste, donc qui est indissociablement fondé sur un fonctionnement capitaliste et un fonctionnement patriarcal, hein, comme le nom l'indique. Donc, il y a une inégalité de répartition des richesses. Par exemple, on sait qu'à l'échelle mondiale, les femmes, elles touchent qu'à peu près 10% des revenus et elles ne possèdent que 2% des terres. Et même si on prend que à des échelles plus réduites, voilà, par exemple, en France, à poste égal, une femme touche en moyenne 20 à 25% de moins qu'un homme. Et encore, il y a peu de femmes qui accèdent à des postes égaux. Donc, ce chiffre-là, lui-même, il masque plein d'inégalités. Au moment de la retraite, la retraite moyenne d'une femme en France, c'est 1100 euros et d'un homme, 1900 euros. Donc, en fait, voilà, il y a toutes ces inégalités qui font que les femmes sont plus précaires économiquement, moins armées socialement pour pouvoir fuir, se défendre, se protéger, moins aussi aptes à prendre des décisions puisqu'elles sont, elles accèdent moins à des postes de responsabilité économique, politique, etc. Et donc, tout ça fait qu'effectivement, dans l'analyse écoféministe, la crise climatique à la fois se superpose à des inégalités hommes-femmes et les aggrave. Alors après, j'aimerais quand même préciser un truc sur l'idée de crise du genre. Donc, ce que je viens d'expliquer, c'est donc des inégalités environnementales ou des injustices environnementales entre les sexes. Quand on parle de crise du genre, donc la notion de genre et la notion de sexe, c'est deux notions distinctes. Ce qu'on appelle le genre, donc c'est la construction qu'on appelle la féminité et la masculinité. Donc, je voudrais d'une certaine façon retourner la question en disant que peut-être il serait même souhaitable que la crise climatique ou la crise écologique provoque une crise du genre, au sens remette en question les constructions de genre, remette en question la virilité et la féminité, puisque une des analyses écoféministes, c'est que il y aurait parmi les facteurs, parmi les éléments qui provoquent un modèle économique et un modèle social destructeur pour l'environnement, il y aurait justement une certaine image de la virilité. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de virilité toxique, ou un philosophe qui s'appelle Derrida, il parle de virilité carnivore. Donc, dans la construction, dans le stéréotype de genre viriliste, il y a l'idée de avoir une grosse bagnole qui pollue bien, accéder à des postes de pouvoir où on va pouvoir dominer plein de monde et on va pouvoir exploiter plein de ressources, etc., même si c'est évidemment pas pensé explicitement. Mais dans cette construction d'une virilité hyper caricaturale, il y a quelque chose de foncièrement nocif pour les femmes et pour l'environnement, et certainement pour les hommes eux-mêmes, en fait. Et de la même façon, dans la construction du genre féminin comme doux, passif, obéissant, et des qualités féminines, par exemple de care, comme on évoquait, comme quelque chose de subordonné et de pas central politiquement, ça peut être un des facteurs explicatifs de la crise. Donc voilà, on pourrait dire, si crise du genre, ça veut dire dépasser ces constructions de la femme et de l'homme en mode patriarcal, il serait souhaitable que ça advienne, et dans la lecture écoféministe, ça serait un des aspects du remède à notre modèle toxique pour la planète. Ok, merci. Aussi, on a souvent remarqué que les femmes, en fait, qui voulaient se lancer dans l'entrepreneuriat étaient en général plus attirées vers l'entrepreneuriat durable. Pensez-vous qu'on puisse faire un lien avec ces doubles dominations vers les femmes et la nature ? Oui, alors c'est vrai que là aussi, je n'ai pas de chiffres, mais effectivement, il y a beaucoup de recherches qui montrent que le secteur de l'entrepreneuriat durable
est très féminisée et que même hors entrepreneuriat durable, de fait, il y a des études qui montrent, par exemple, dans des petites et moyennes entreprises, que quand ce sont des femmes qui sont à la tête de ces entreprises, elles vont avoir tendance à l'orienter plus vers des objectifs de développement durable ou à chercher à hiérarchiser les objectifs de rentabilité, profit, en mettant plus en avant des objectifs sociaux, environnementaux, donc liés au développement durable. Donc ça, c'est un constat qui est troublant. Un des pièges que l'écoféminisme cherche à éviter, ça serait de naturaliser ce constat en disant bah, ça montre que les femmes seraient naturellement plus enclines à protéger les autres ou naturellement plus morales ou plus... parce que le problème de cette analyse, c'est qu'on glisse très facilement vers elles sont naturellement plus proches de la nature, ça glisse facilement vers des caractéristiques qu'en fait on méprise un peu ou on dévalue un peu ou qui peuvent servir à dominer. Donc, dans l'analyse écoféministe, il y a la tentative d'essayer de comprendre par quelle construction on en arrive là. Et c'est vrai que... alors, je ne suis pas persuadée que dans la conscience des femmes qui choisissent l'entrepreneuriat durable, il y ait nécessairement une analyse claire de cette double domination. En revanche, moi, ce qui me frappe, c'est qu'à chaque fois que j'en discute avec des femmes qui sont dans l'entrepreneuriat durable et qui ne connaissent pas l'écoféminisme, quand je leur explique les analyses, ça a l'air de corroborer des intuitions qu'elles ont. Donc, une sorte d'intuition de cette double domination et d'insatisfaction face au modèle d'entreprise qu'on leur a toujours présenté. Voilà, sans nécessairement décortiquer les mécanismes du capitalisme patriarcal, mais en sentant que quelque chose cloche. Et ça, c'est ce qu'on appelle le privilège épistémologique des femmes, c'est-à-dire le fait qu'en tant que femme, ou en fait ça vaut pour plein d'autres catégories dominées, on se situe à une position sociale et on vit un certain nombre d'expériences qui font qu'on va être amené à voir des choses qu'on ne voit pas depuis une autre position, à voir des problèmes qu'on ne voit pas autrement. Et donc, ce privilège épistémologique, il permet d'expliquer que les femmes vont être plus conscientes de formes de domination qu'elles subissent et de formes de domination aussi ou de problèmes environnementaux qu'elles peuvent percevoir, par exemple, à travers la santé de leurs enfants. Et donc, voilà, être... chercher davantage dans leur action à mettre en cohérence avec des convictions qu'elles ont justement grâce à cette expérience différente dans la construction sociale. C'était notre dernière question pour vous, mais si les autres ont des questions... Donc il y a deux questions dans le chat, donc de Lorenzo et de Valérie. Je ne sais pas si vous voulez les poser vous-même, sinon je les pose, mais comme vous voulez. Je peux la poser. En vrai, je me demandais juste, quand vous aviez parlé au début de la conférence, de casser un peu ce schéma pyramidal, qu'est-ce qui pourrait être fait en pratique justement pour éviter qu'on retombe directement dans une nouvelle hiérarchie qui prendrait la place de l'ancienne? Oui, c'est une bonne question parce qu'effectivement, on voit que c'est une difficulté. Par exemple, souvent il y a beaucoup d'historiennes ou de sociologues écoféministes qui écrivent dans les années 80-90 en montrant une sorte de grosse désillusion vis-à-vis de l'URSS, par exemple, ou du communisme ou de différentes autres révolutions qu'il y a pu y avoir, en disant à chaque fois que là, je parle à l'échelle d'un État, mais on pourra revenir plus à des échelles entreprises, etc. Mais quand un idéal révolutionnaire a voulu abolir les hiérarchies, en fait, une fois que la prise de pouvoir est actée, finalement, ça recrée des hiérarchies, voire ça crée une terreur ou un État totalitaire absolument. Il y a vraiment cette conscience que les hiérarchies ont une sorte de tendance
à se remettre en place, pas forcément les mêmes, mais en tout cas qu'il y a voilà, une tendance à construire des rapports hiérarchiques, même quand on a voulu les abolir. Donc, pour essayer de lutter contre ça, beaucoup d'écoféministes ont développé des sortes de pratiques collectives. Donc là encore, Starhawk, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui je parle tout le temps d'elle, mais c'est vrai que par exemple sur cette question, elle a vraiment développé, donc elle anime beaucoup de groupes, elle fait des formations collectives à l'activisme, à la permaculture, bon, à différentes choses un peu alternatives, mais elle remarque que même dans ces groupes de gens qui justement se veulent alternatifs et ont des idéaux très égalitaires, si on ne fait pas attention, à la fois dans la prise de parole, dans la prise de décision, etc., il y a des hiérarchies qui vont se recréer et qui souvent vont correspondre plus ou moins à des hiérarchies sociales. Est-ce qu'on fait partie d'une catégorie sociale où on va avoir des facilités à se considérer comme légitime ou pas, donc ça recoupe des critères de sexe, de race, de classe, etc. Donc du coup, elle a inventé plein d'exercices pour faire tourner, voilà, pour casser les hiérarchies dans ces groupes. Donc c'est des exercices qui, au début, peuvent donner l'impression qu'on perd en efficacité. Au sens où, par exemple, il y a l'idée de toujours faire tourner les rôles. Celui, par exemple, dans les rôles, il peut y avoir celui qui prend les décisions, celui qui écoute les autres, celui qui, ça dépend de quoi on a besoin dans le groupe, mais celui qui va organiser la logistique, celui qui va prendre les notes, les différents rôles. Et donc, dans ces groupes, en fait, elle fait systématiquement tourner les rôles. C'est jamais les mêmes, il n'y a pas une sorte d'organigramme fixe. C'est jamais les mêmes qui décident, c'est jamais les mêmes qui sont au même poste. Donc, ça oblige, c'est contraignant, hein, mais du coup, ça oblige effectivement à briser les automatismes et les hiérarchies qui se mettent automatiquement en place. Alors, ça peut faire un peu peur quand on est habitué à des fonctionnements très figés, où on va se dire, mais c'est pas efficace de fonctionner comme ça, il faut quand même qu'il y en ait qui décident, ou bien il y en a quand même qui sont bons pour des trucs et pas bons pour des trucs, etc. Mais son idée, c'est qu'en fait, il faut savoir ce qu'on préfère. Est-ce que le plus important, c'est d'être efficace ou d'être juste? Est-ce que le plus important, c'est d'être rapide? Ou bien de favoriser une transformation sociale. Et donc ça, c'est des pratiques qu'on trouve aussi... par exemple, en France, il y a une grosse association qui s'appelle Alternativa. Je ne sais pas si ça existe aussi en Belgique. Et eux, ils sont un peu obsédés justement par ces formes de démocratie directe, de comment on fait au sein de ils sont très organisés, très structurés et tout ça, mais voilà, ils cherchent toujours à voir comment on fonctionne de façon plus démocratique. Et donc, par exemple, dans la prise de parole, il y a des règles. Par exemple, il y a une règle qui s'appelle la fermeture éclair, c'est-à-dire que c'est toujours, dans la prise de parole, un homme, une femme, un homme, une femme. Il y a d'autres groupes qui, eux, mettent comme règle priorité à la parole pour les filles ou les hommes qui n'ont pas déjà pris la parole. La même façon dans la prise de décision, chez Alternativa, ils ont vraiment des méthodes qui, pour le coup, en plus, sont très au point. Donc, ça réussit même à être efficace et rapide de prise de décision par consensus. Si on n'obtient pas le consensus 100%, ils ont aussi des méthodes de à partir de quand on passe à un autre mode de prise de décision et lequel. Mais c'est vrai qu'en fait, paradoxalement, on est dans des pays qui se disent démocratiques et pourtant, on n'a pas cette culture démocratique. À l'école, on n'apprend pas vraiment ça, à l'université ou dans les grandes écoles non plus. Donc, à mon avis, c'est ça un axe de recherche important. C'est comment on se dote, et ça existe hein, dans le mouvement de l'éducation populaire, ou voilà, chez Alternativa ou chez Starhawk. En fait, il y a des outils qui existent de démocratie directe, de démocratie réelle, pour voir comment on réussit à répartir différemment, de façon plus juste et plus fluide, le pouvoir, la parole, les décisions, les tâches reloues, les trucs intéressants et les trucs pas intéressants, pour créer l'équipe de façon différente. Voilà, donc du coup, pour les outils, je vous invite à regarder par exemple donc, chez Starhawk. Je pense que Alternativa, sur leur site, ils doivent avoir ça. Dans des associations d'éducation populaire,
Et voilà, je pense qu'il y a aussi plein d'autres outils de démocratie. Mais c'est ça la voie, en fait. Et c'est vrai que c'est des pratiques qu'il faut refaire et refaire et refaire et refaire, sinon les réflexes hiérarchiques qui se remettent en place. C'est bon. Ok, du coup, on a la question de Valérie. Je ne sais pas si tu veux que je la pose. Bien. Je veux bien la poser. Mais en fait, j'en ai deux, donc je vais peut-être d'abord poser l'autre, en fait. Qui est, donc, je me demandais, en fait, dans le féminisme, il y a plein de sortes de féminisme marxiste, puis il y a des féministes libérales, des féministes postcoloniales, etc. Est-ce qu'on retrouve un peu les mêmes groupes dans les écoféministes, ou est-ce qu'elles se rapprochent plutôt d'une de ces formes-là de féminisme? Alors, on ne retrouvera pas le féminisme libéral. Donc, ce qu'on entend par féminisme libéral, ça serait, donc si je reprends cette image de la pyramide, ça serait réussir à faire en sorte que des femmes, bon, en fait, des femmes privilégiées, réussissent à accéder au haut de la pyramide, donc à avoir des meilleurs postes, meilleurs salaires, meilleures responsabilités, plus de pouvoir et tout ça, mais sans changer la pyramide. Ça, c'est incompatible avec l'écoféminisme. En revanche, effectivement, on va retrouver des tendances plus essentialiste ou plus constructiviste, plus matérialiste ou plus spirituel. Y a un écoféminisme postcolonial qui est très développé aussi. Alors, si on schématise, mais bon, c'est vraiment schématique, on pourrait dire que aux États-Unis, la branche de l'écoféminisme spirituel, donc il va chercher à articuler l'activisme politique et toute une dimension de reconnexion à la nature, reconnexion au rythme naturel, au cycle naturel, à travers le corps, à travers des pratiques rituelles, etc. Ça, aux États-Unis, c'est assez développé. Par contre, en Europe, ça paraît complètement farfelu. Donc, c'est plus un écoféminisme politique, matérialiste qui s'est développé avec des concepts qui sont plus hérités de Marx ou de l'école de Francfort. Et évidemment, dans les pays du Sud, par exemple en Inde, Vandana Shiva, elle, c'est vraiment la figure de proue de l'écoféminisme postcolonial. En Amérique du Sud aussi, il y a une dimension très alors décoloniale, on dit en Amérique du Sud, pas postcoloniale, mais il y a vraiment cette réflexion sur défaire tout, enfin voilà, comment font système le capitalisme, le patriarcat et une forme de néocolonialisme. Donc on trouve ces différentes branches. Après, ce que moi j'ai compris au fur et à mesure, donc voilà, comme je l'ai dit au début, enfin comme il a été dit, voilà, moi je suis prof de philo, et j'ai une formation de philosophe, etc. Donc au début, pendant mes premières années de recherche, en fait c'était dans le cadre d'une thèse de doctorat que je faisais en parallèle de l'enseignement, avant que ça débouche finalement sur un livre, et j'étais justement obsédée par cette approche philosophique ou théorique, d'essayer de repérer les courants, les sous-courants, les désaccords, les arguments, etc. Je faisais des tableaux pour essayer de voir, alors telle écoféministe, on peut dire qu'elle combine tel type de féminisme avec tel type d'écologie, puis à chaque fois ça marchait pas, et puis surtout je me suis rendu compte à partir du moment où j'ai fait une recherche plus vivante, donc en rencontrant des femmes qui se disent écoféministes, en allant dans les Cévennes, en allant en Inde à la rencontre de collectifs et d'assauts écoféministes, qu'en fait j'étais vraiment à côté de la plaque et que ce que elles se demandaient, c'était pas quelles sont nos divisions, quels sont les courants, quelles sont les sous-branches, mais plutôt comment on peut s'unir dans l'action. Donc c'est vrai que sur le plan théorique, c'est intéressant de comprendre les généalogies et de comprendre les différents courants, mais en fait, du point de vue des écoféministes elles-mêmes, elles ont toujours fait passer les désaccords théoriques derrière le désir de créer des alliances et de solidarité dans la lutte. Notamment parce qu'elles voient que parfois, quand on cherche les différents courants, en fait, on va tellement se focaliser sur les désaccords que ça crée des polémiques. Enfin, on voit bien actuellement, par exemple, dans la sphère féministe, l'énergie qui est dépensée ou perdue pour des polémiques plutôt que pour agir, pour s'unir, etc., c'est quand même assez dingue. Et voilà, elle, il y a l'idée que c'est pas pour se désintéresser de la théorie, mais c'est pour dire attention. Il faut quand même comprendre que c'est un mouvement politique, enfin c'est un mouvement en tout cas de transformation sociale, et donc il faut quand même ne pas se perdre en controverse et garder le cap de
aller au-delà des désaccords pour créer un mouvement. Merci beaucoup. Du coup, je pose ma deuxième question tant que j'y suis. C'est plutôt par rapport aux politiques économiques qu'on pourrait mettre en place. Vous avez parlé de voilà, mettre des salaires plus élevés pour les métiers d'éducateurs, etc. Est-ce qu'il y a d'autres politiques économiques ou politiques, enfin mesures politiques qu'on pourrait appeler écoféministes ? Oui, alors, je suis pas, voilà, je suis pas une femme politique. Donc, j'ai quelques idées là-dessus, mais c'est vrai que voilà, y a sûrement des mesures politiques auxquelles je ne pense pas, mais il me semble que, donc, effectivement, une des mesures, ça serait de enfin visibiliser et valoriser sérieusement les métiers du care. Une autre piste, ça s'articulerait autour du congé paternité. Parce qu'en en fait, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'inégalités dans la sphère professionnelle entre hommes et femmes qui se créent à cause de la maternité, enfin, ou en tout cas à cause de la façon dont on va traiter complètement différemment maternité et paternité. Dans un entretien d'embauche, si vous êtes une fille et que vous approchez de la trentaine, on va dire, on va vous demander est-ce que vous avez un projet d'enfant, et si vous êtes un homme, on ne va pas vous le demander. Alors qu'a priori, si vous êtes un homme, on peut espérer que le fait d'avoir un enfant, bah, ça va quand même vous demander du boulot. A priori, vous allez quand même vous en occuper. Mais en fait, ça ne fait pas partie du logiciel du monde professionnel. Et donc ça, ça explique énormément de choses sur les discriminations, enfin en tout cas l'hésitation à embaucher une femme, et le fait qu'une fois qu'on s'est tapé des congés maternité, on est complètement à l'ouest sur le monde du travail. On a perdu... on voit que le plafond de verre qui empêche les femmes d'accéder à certains postes ou à faire des carrières intéressantes, il est lié, pas que, mais en grande partie quand même, au fait qu'une fois que, une fois qu'elles deviennent mères, ou même dans l'optique qu'on imagine qu'elles vont devenir mères, ça va les faire dégringoler professionnellement, tandis que les hommes, ça ne va rien changer, voire ça va les valoriser socialement. Donc cette idée d'une répartition vraiment équitable du congé parental avec une contrainte législative, parce qu'en fait on remarque que quand il n'y a pas de contrainte législative, on dit juste il est possible pour les hommes de prendre un congé égal aux femmes. On voit en Islande, en Allemagne, etc., la loi, elle est beaucoup plus progressiste qu'en France sur ce plan, et pourtant dans les pratiques ça reste encore très 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 majoritairement les femmes qui prennent le congé. Là aussi il y a un engrenage, souvent la femme elle gagne moins que son mari. Du coup, on dit, bon, si on doit perdre un salaire, c'est plus rationnel que ça soit le tien, ma chérie. Et donc, là aussi, elle va, c'est la femme qui va arrêter de travailler, etc. Donc, en tout cas, autour de cette question de comment on fait pour que hommes et femmes s'occupent à égalité des enfants, donc le législateur ne peut pas aller dans les maisons et forcer les hommes à s'occuper de torcher leurs enfants, mais par contre voilà, sur la question du congé paternité et du congé parental, là il y a une action législative qui est possible. Après, autre chose qui est une piste que je trouve assez importante, c'est de réfléchir à qu'est-ce que c'est politiquement se donner réellement les moyens d'une transition écologique. Par exemple, moi, quelque chose qui me frappe en tant qu'enseignante, c'est que il y a toute une espèce de greenwashing dans le discours de l'institution, de l'éducation nationale, où on parle beaucoup de développement durable, c'est dans les programmes scolaires, on met des petites affiches dans le lycée, ramassez vos mégots, triez vos déchets, etc. Et en même temps, par exemple, on équipe les élèves de tablettes numériques, alors qu'en termes environnementaux, on sait bien que c'est catastrophique, quoi. Donc, on a quand même cette image du progrès vachement liée encore à la technologie. Et de la même façon, c'est que pour que parler de transition écologique, ça ne soit pas bidon, il faut une relocalisation de la production, par exemple. On ne peut pas continuer à avoir des entreprises qui sont délocalisées partout et où il y a des avions qui acheminent les matières premières ici et là, etc. Or, il me semble qu'on ne se donne pas les moyens d'une réelle relocalisation.
Et que, par exemple, là aussi, si je me situe au niveau de l'institution scolaire, en France, on continue à considérer que ce qu'il faut, c'est avoir un bac général, faire des études qui vont permettre d'être médecin ou ingénieur, etc. Et on continue à dévaloriser complètement les filières manuelles, donc les filières qui donnent les savoir-faire qui permettraient une relocalisation, qui permettraient éventuellement même une réémergence de l'artisanat. Dans le cursus scolaire, en gros, c'est vraiment si tu es nul et que tu as échoué, que tu vas aller en filière pro. Et donc, tant qu'on continue à réfléchir comme ça, à avoir une vision de la réussite sociale et du progrès qui considère que... qui valorise des métiers, qui valorise des technologies qui, en termes environnementaux, ne sont pas ce dont on a besoin, à ce moment-là, c'est de la pure hypocrisie, en fait. Donc là aussi, il me semble qu'il y a une réforme de l'institution scolaire à faire et une réforme des politiques économiques liées à ces questions de délocalisation, relocalisation, exploitation des ressources. Mais voilà, évidemment, c'est un peu... ça suppose de changer le monde, quoi, en réalité. Oui, ça me fait penser par rapport aux masques, par exemple, qui sont souvent... c'est du travail manuel qui est du coup fait gratuitement par des femmes, souvent un peu partout dans le monde en ce moment. Donc, voilà. Mais sinon, voilà, merci beaucoup. Voilà, donc je ne sais pas si quelqu'un d'autre a une question. Je veux bien poser une question, s'il y a encore le temps. Oui, il y a encore du temps. En fait, ça rejoint un peu ce que Valérie disait. Donc, moi, je suis en droit. Et donc, je fais mon travail de fin d'études, justement, sur un peu les liens entre l'écoféminisme et le droit international de l'environnement. Donc, je vais vous résumer ça vite fait, mais c'est comment est-ce qu'on pourrait intégrer les enseignements, les théories, les concepts de l'écoféminisme pour... aider le droit international de l'environnement à la fois mieux combattre la destruction de la planète et le patriarcat. Et donc, je m'intéresse plus particulièrement, en fait, donc j'ai dû choisir, c'est très vague, donc j'ai dû choisir un angle d'approche, et je m'intéresse plus particulièrement aux droits des paysans et des paysannes, surtout dans les pays dits du Sud. Et donc, je me suis interrogée notamment sur la déclaration sur les droits des paysans, sur le traité international sur les ressources pour l'alimentation, l'agriculture, etc. Et donc, j'ai beaucoup lu et écouté Vandana Shiva, notamment, qui parle, qui est contre le brevetage des semences, qui parle de revaloriser les savoirs et les connaissances des femmes indigènes et de un petit peu remanier le concept de science, qui n'est pas seulement la science comme on a l'habitude de la comprendre, donc la physique, la chimie, etc., mais qu'au final, savoir cuisiner, savoir cultiver la terre, c'est des sciences qu'il faut valoriser. Mais au final, plus je lis, enfin, j'ai notamment votre livre, et plus je lis, plus j'en apprends. Et plus, enfin, comme vous avez dit, c'est un mouvement assez anarchiste, au final, qui a pour vocation de tout remanier, de changer totalement le système dans lequel on vit. Et je me demande si ce n'est pas un peu contraire, en fait, à l'idée même du droit de vouloir, qui est inscrit dans la société, de cet enseignement écoféministe. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Si, si, je vois bien, ouais. Alors, c'est vrai qu'il y a à la fois... il y a une tentation utopiste forte dans l'écoféminisme. Il y a effectivement, si on va jusqu'au bout des idéaux de l'écoféminisme, ça suppose effectivement, on se demande effectivement ce que vous vous demandez, c'est-à-dire comment on fait pour inscrire ça dans le monde réel parce que c'est joli de fantasmer un autre monde, de essayer d'analyser, et c'est important d'essayer d'analyser comment on pourrait fonctionner de façon plus juste, etc. Mais en même temps, c'est vrai qu'il y a quelque chose de frustrant, et que quand on est attaché aux institutions qui permettent d'agir sur le réel, c'est perturbant. Et en fait, moi, je me suis posé exactement, alors je ne fais pas du droit, mais voilà, après mes années pour écrire le livre, j'avais arrêté d'enseigner pendant 2 ans. Et j'ai cru un moment, parce que justement, je m'étais vachement monté le bourrichon aussi avec ces trucs hyper radicaux, hyper utopistes. Donc, j'ai passé plein de temps à vivre en semi-autonomie. J'en parle juste sur 2 pages dans mon livre, mais en fait, ça a duré une assez longue période de ma vie.
de vivre voilà, de façon complètement marginale avec un mec qui n'a pas d'eau courante, pas d'électricité, qui vit avec ses moutons, on faisait notre potager, etc. Et parce que je m'étais dit, bah, si le système est intégralement pourri et qu'il y a tout à refaire, en gros, on est obligé de se mettre en rupture. Et en même temps, j'ai eu l'impression d'être dans une bulle et de servir vraiment pas à grand-chose. Et puis d'être dans une sorte d'entre-soi, de gens qui étaient un peu tous d'accord, ce qui n'est pas intéressant. Donc, je pense, donc j'ai fait le choix de revenir au sein de l'institution, donc en l'occurrence pas juridique, mais scolaire. Et en étant dans l'institution, donc en ayant, en l'occurrence, des programmes à respecter, des bulletins à remplir, des notes à mettre aux élèves, etc., comment on réussit quand même à faire craquer les limites du truc ou à trouver les manières où on peut réorienter les institutions existantes. Et c'est difficile, mais c'est possible. Et je pense que vous avez raison de vous demander comment on peut... dans la réalité telle, comment on peut en fait partir de ce qui existe pour le réorienter plutôt que de partir d'une utopie pour se demander après comment on fait pour rentrer ça dans la réalité, ce qui ne marche pas. Et donc par exemple en ce qui concerne le droit, bon bah les pistes que vous avez évoquées, évidemment, enfin je vais rien vous apprendre dessus, hein, voilà, c'est des pistes hyper intéressantes. Après je sais qu'il y a aussi quelqu'un en France par exemple qui mène un travail très intéressant là-dessus qui s'appelle Marine Calmet. Est-ce que vous la connaissez ou la personne qui... J'ai jamais entendu, mais je vais noter son nom. D'accord. Ouais. Donc, Marine Calmet, c'est une juriste qui elle a fondé une association qui s'appelle Wild Legal. Toute une de ces... Et en fait, bon, moi, je connais que son nom, elle, mais je sais qu'elle ne travaille pas toute seule, en fait. Elle travaille en partenariat avec... plein de juristes qui ont cette même quête de savoir comment on fait pour réformer le droit pour qu'il tienne compte des, bon, non seulement des droits des paysans et des paysannes, mais elle, son truc, c'est qu'il tienne compte des droits de la nature. Comment on fait pour donner un statut juridique? Alors, c'est des expérimentations qui existent déjà, hein, en Inde, par exemple, où voilà, il y a des pays où il y a des rivières qui sont devenues sujets de droit, par exemple. Mais voilà, elle mène toute une réflexion là-dessus sur comment on fait pour réformer le droit, pour transformer les concepts du droit, afin de pouvoir donner des droits à la nature ou à des écosystèmes et pouvoir leur donner aussi une représentation juridique ou une représentation politique. Et sur le plan conceptuel, on va dire, elle s'intéresse énormément aux façons dont des sociétés non occidentales ont pratiqué des formes de droit, alors qu'ils ne sont pas dans un tribunal avec une robe de juge, etc., mais des sortes d'assemblées ou de conseils ou de cercles de justice réparative ou des choses comme ça, pour voir est-ce que ça serait possible de transformer les modalités même dont on fait du droit, dont on rétablit la justice quand il y a eu dommage. Donc, il y a vraiment cet angle aussi postcolonial de voir ce que les pratiques de justice, les pratiques de réparation de tort ou de dommage dans des peuples non occidentaux, notamment en Amazonie, voilà, elle a beaucoup séjourné par là. Qu'est-ce que ça peut nous apprendre? Comment on peut s'en inspirer? Mais donc, ça suppose effectivement de réformer les concepts et les manières de faire du droit. Donc là encore, c'est un gros chantier, mais ça a une dimension quand même plus ancrée dans la réalité. Et voilà. Et je pense qu'en cherchant déjà son nom à elle, vous devriez trouver toute une série de liens, de recherches, de personnes qui travaillent en ce sens. Merci beaucoup pour votre réponse très complète. Je ne sais pas si d'autres personnes ont encore des questions, n'hésitez pas. Okay. Je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Par contre, dans le chat, je ne sais pas si vous avez vu, mais donc il y a Maud qui vous remercie pour votre intervention. Voilà.
Ah, merci. Tu aurais pu mettre Maud et sa maman. Hein. Attends, je vais mettre. Elle a entendu. Merci, mais... Maud et sa maman, alors. Voilà, merci. Super chouette. Merci. Merci beaucoup. Ok. Je sais, enfin, donc, si personne n'a d'autres questions, je pense qu'on peut peut-être terminer là ou pas, mais on peut encore attendre un peu. J'ai pas l'impression qu'il y a des prises de parole instantanées. Okay. Mais en tout cas, moi je tenais aussi à vous remercier, c'était vraiment très chouette comme conférence et très, très intéressant. Et merci encore d'avoir accepté de nous partager votre savoir avec Nexsense et avec les étudiants. Merci à vous. Après, si vous voulez continuer à réfléchir à ces sujets, je peux vous envoyer par exemple, donc j'ai le mail de Nouchin, je peux vous envoyer une petite bibliographie sélective. Okay. Pour voilà, quelques lectures en français où il y a de plus en plus de livres traduits en français. Je peux aussi mettre quelques livres en anglais si vous êtes à l'aise avec l'anglais pour pouvoir approfondir les différentes pistes que ça ouvre voilà, en lien plus direct avec vous, qu'est-ce qui peut vous intéresser intellectuellement et professionnellement pour ce que vous avez envie de faire de votre vie pour qu'elle make sense justement. Mais ça serait super et on peut le partager avec les personnes qui n'ont pas pu être présentes aujourd'hui. D'accord. À travers les réseaux sociaux, donc ça serait vraiment super si ouais, vous avez parfait. Et ben, je vais faire ça. Ben, donc ben, merci à vous de nous avoir un peu plus éclairé sur l'écoféminisme et les autres, n'oubliez pas que la semaine du genre n'est pas terminée, donc on vous attend aussi pour d'autres conférences. Et aussi là, je vois dans le chat, je ne sais pas si vous savez voir, mais donc aussi, enfin, les personnes vous remercient. Mais merci à tout le monde et merci aux organisatrices. Et puis alors, bonne suite de réflexion. J'envoie les lectures. Et voilà. Super. Parfait, merci beaucoup. Bah, du coup, je pense qu'on va clôturer ici. Donc, merci à tout le monde d'être venu. N'hésitez pas à suivre. Comme a dit Alessia, ce qui va encore se passer cette semaine avec le BE Solvay, il y a encore plusieurs choses organisées. Donc voilà, merci beaucoup à tout le monde. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée.